Salut, je suis Jason. Tu voulais me voir? Génial. Herc. C'est le diminutif d'Hercule, j'imagine. Non, vieux, mes parents étaient pacifistes. Oh, merde! Oh non, non, non! J'ai perdu Coco, merde! Tu m'as fait perdre Coco! Qui? Coco! C'est mon macaque. À peu près grand comme ça, il porte une veste. Avec pas loin de 2000 kg de C4 dedans. T'as mis du C4 sur un singe? La marine le faisait avec des dauphins. Et les Russes avec des chiens pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais ils ont merdé. Ils avaient pas de panzer allemand, alors au début, ils leur apprenaient à se mettre sous leur propre char. C'est marrant, non? Alors t'as fait ça avec un singe? Ouais. Enfin, j'espérais que Coco pourrait faire mon sale boulot, mais ça marchera pas. Il va falloir que je le neutralise. Le C4? Non. Neutraliser Coco. S'il explose au beau milieu de ses copains macaques, ça va faire trop de dégâts. Désolé, Coco! Vaya con Dios, gentil macaque. Non. Attends, le voilà! Ha! Merde, il a réussi à retirer sa veste, c'est incroyable! Ah! Écoute, j'aurais du boulot pour toi. Ouais, les pirates ont réussi à mettre la main sur des diamants du conflit Boasico, mais ces pierres seraient plus utiles à nos amis rebelles. Ouais, les rakiats ont toujours besoin d'une monnaie d'échange. Ouais, j'ai déjà envoyé Snowflake et Bobble 2 les chercher, mais ils sont pas revenus. Ça, j'en doute pas. Alors, ce que je veux, c'est que tu entres dans ce vieux temple et que tu récupères les diamants, d'accord? Putain de bordel de merde! Merde, c'est qui ça? Chercher!
Ark, j'ai récupéré les diamants. Des nouvelles de Snowflake ou Bubbles 2? Tu les as vus? Ouais, je vais bien, merci. Pas une égratignure. Non, je veux savoir si t'as vu mes singes. Tu crois qu'il y a des interférences ou un problème? Si tu m'entends, dépose les diamants à la planque et récupère ce que je t'ai laissé là-bas. Bien joué, mon pote. T'as gagné ma confiance. On est partenaires maintenant. Mon pote, tu te souviens de moi? Ça oui, je me souviens. Quoi de neuf? Il y a trois types qui sont passés du côté obscur. Ils ont trahi les Rakiat. Luke est au courant? Quoi? Non, mec. Trois guerriers.
guerriers de Citra ont changé de camp pour rejoindre celui de Hoyt. Les rebelles sont dans la merde. Ils doivent liquider les traîtres avant qu'ils crachent tout ce qu'ils savent, tu vois. Ils sont où? Ils sont sur un chantier naval. Je t'envoie les détails. Au fait, Denise veut des photos de leur corps. Encore. J'ai envoyé les photos. Super! Ça, ça va leur faire plaisir. Ils vont m'accepter maintenant, c'est sûr. Comment ça, t'accepter? Pas le temps, faut que j'y aille. J'ai rendez-vous avec eux. À plus dans le bus!
Arrête de me demander ça. Et pourquoi tu murmures ? J'envoyais du matos au guerrier quand je me suis fait apporter par des miliciens. Ils ont vu les photos que t'as prises et maintenant ils sont furax, tu vois. Là, je suis planqué, mais faut que tu me tires de là, mec. Où est-ce que t'es ? Sur mon bateau. Enfin, sur une rivière, quoi. Je t'envoie mes coordonnées. Ah ! Salut, les gars ! Ça roule ? On va pas s'énerver, hein ? Orc ? J'espère qu'il est assez malin pour rester en vie jusqu'à ce que j'arrive. Je lui donne une chance sur deux. J'élimine les miliciens avant de libérer Urk. J'ai envie de te faire la peau, tu sais. Putain de merde! Demander une augmentation. Paraît qu'il retienne Urk sur son bateau.
Dis donc, t'as été carrément super, t'as été incroyable. Mais, on a un souci, ok? Qu'est-ce qu'il y a? Les miliciens voulaient envoyer ce truc directement dans le campement rebelle pour les exploser de l'intérieur comme un cheval de Troie, mais façon Michael Bay, tu vois. Et je les ai arrêtés? Ouais, tu les as arrêtés, je sais bien, mais le truc, c'est qu'ils récupéraient d'autres salopards sur la route pour les planquer sur la barge. Du coup, on risque de rencontrer des mecs gonflés à bloc armés jusqu'aux dents et prêts à nous exploser la gueule. Ok, je défends le bateau et tu pilotes. Cool! Ouais, attends. Big Sally a fait des caprices quand on la soumet à la pression. Je crois que c'est de l'anticipation anxieuse. Je vais sûrement devoir l'arranger. D'accord. Moi, je tire, et toi, tu t'occupes de Big Sally. Oh, super! Ça va être carrément monumental! Les frères tatoués en action, ouais! Les frères tatoués? Ouais, vive la confrérie des tatoués! Battu des gars plus costauds que toi.
retrouver, ma belle.
Dis donc, c'était vraiment géant, je m'en sors en vie. Avec la cargaison, les rebelles sont aux anges. C'est mieux qu'avec les singes, hein. Pourquoi tu me dis ça? T'as collé du C4 sur des singes. Dis, je leur fais un câlin au moins avant de... Avant de les... Tu pleures ou quoi? Non, déconne pas. Donne-moi une minute. D'accord, je suis désolé. Ah, ça va. Frère tatoué, je t'en veux pas. Bon, mais pourquoi tu m'appelles comme ça? Quoi, frère tatoué? Oh, je me disais que quand les guerriers verront que je t'ai aidé, ils me tatoueront comme toi. Et c'est pour ça que tu fais tout ça? Attends, Citra, elle est 100% MILF, merde. Malaisienne, I'd like to fuck. Tu pourrais peut-être lui parler de moi? Ouais, c'est ça, d'accord. Incroyable! C'est génial, mec. Tu vois, je prépare un truc démentiel, mon pote, sauf que là, sans ton aide, ça va jamais marcher. Alors va faire ce que t'as à faire et prends bien le temps de te relaxer tranquille. Ok? Et puis reviens me voir quand t'es prêt, ok? Reviens pas tant que t'es pas à la cool, mon pote. Ok? M'oublie pas, frérot. À la cool. Tu disais que t'avais besoin d'aide? Frérot, t'es incroyable. Je détiens une info que les rebelles vont adorer, c'est clair. Je sais où Hoyt entasse un paquet d'armes et de munitions, tu vois le genre? Mais l'endroit a été verrouillé. Ah ouais? Avec toutes ces conneries entre toi, Vass et les rebelles, Hoyt a décidé de bouger ses hommes, tu vois? Son arsenal est dans une base sous-marine de la Deuxième Guerre mondiale construite par les Japs, dans une grotte à la Indiana Jones. Merde, ça a déjà été une attraction touristique, t'imagines? Il n'y a que deux accès. Les vieux tunnels de ravitaillement bloqués de l'intérieur par les larbins de Hoyt et la voie sous-marine. Nager dans un gros tuyau sous l'eau? Ça va être amusant? Bah, j'aurais envoyé Bubbles 3 ou Snowflake 2, mais mes petits singes sont plutôt fragiles, alors... Ils se noieraient. T'es tout seul, vieux. Vas-y à la nage, en bateau, comme tu veux, et quand tu y seras, je te dirai où mettre les explosifs. Voilà le C4. Bonne chance, vieux. Tu me donnes des explosifs et tu me sers après, ça va pas? Ouais, il faut se motiver, mon pote. Non, c'est bon. Ok, mais des frangins, ça se prend dans les bras!
Faut que je trouve le canal immergé. Thank you.
Le compte à rebours. Mec, il y a des bateaux sur l'eau autour de l'abri, ils vont te soucifier. Prends l'ascenseur pour sortir de là. Thank you.
Qu'est-ce qui... L'ascenseur est bloqué. Merde. Urk, l'ascenseur est hors service. Alors là, mon gars, ça pue. Tu vas faire comment? Toi de me le dire. Ok, mec, reste cool. Écoute, les Japonais ont dû prévoir une autre issue, non? Trouve-la et ensuite rejoins-moi sur la barge. Intrusion dans la base. Je répète, il y a un intrus dans la base. Bloquez les portes et convergez vers l'entrepôt. Des explosifs ont été posés. Envoyez l'équipe de déminage. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pas de problème. Fouillez l'entrepôt. Qu'est-ce qui... L'ascenseur est bloqué. Merde. Urk, l'ascenseur est hors service. Alors là, mon gars, ça pue. Tu vas faire comment? À toi de me le dire. Ok, mec, reste cool. Écoute, les Japonais ont dû prévoir une autre issue, non? Trouve-la et ensuite rejoins-moi sur la barge. Peace, mec. Intrusion dans la base. Je répète, il y a un intrus dans la base. Bloquez les portes et convergez vers l'entrepôt. Des explosifs ont été posés. Envoyez l'équipe de déminage. Qu'est-ce qui... L'ascenseur est bloqué. Merde. Urk, l'ascenseur est hors service. Alors là, mon gars, ça pue. Tu vas faire comment? À toi de me le dire. Ok, mec, reste cool. Écoute, les Japonais ont dû prévoir une autre issue, non? Trouve-la et ensuite rejoins-moi sur la barge. Peace, mec. Intrusion dans la base. Je répète, il y a un intrus dans la base. Bloquez les portes et convergez vers l'entrepôt. Des explosifs ont été posés. Envoyez l'équipe de déminage. Ça risque d'exploser! Ils vont se péter ou quoi? Touchez pas les explosifs! Il est à couvert! Pas rien! Non, non, non.
cible d'opportunité. Bordel de merde. L'ascenseur est bloqué. Merde, Urk, l'ascenseur est hors service. Alors là, mon gars, ça pue. Tu vas faire comment? À toi de me le dire. Ok, mec, reste cool. Écoute, les Japonais ont dû prévoir une autre issue, non? Trouve-la et ensuite rejoins-moi sur la barge. Mec, intrusion dans la base. Je répète, il y a un intrus dans la base. Bloquez les portes et convergez vers l'entrepôt. Les explosifs ont été posés. Envoyez l'équipe de déminage. Défoncez les types plus salés que toi. Ils vont tous péter ou quoi? Touchez pas les explosifs! T'es mort, gamin! Qu'est-ce qui... L'ascenseur est bloqué. Merde! Urk, l'ascenseur est hors service. Alors là, mon gars, ça pue! Tu vas faire comment? À toi de me le dire! Ok, mec, reste cool. Écoute, les Japonais ont dû prévoir une autre issue, non? Trouve-la et ensuite rejoins-moi sur la barge. Peace, mec. Intrusion dans la base. Je répète, il y a un intrus dans la base. Bloquez les portes et convergez vers l'entrepôt. Des explosifs ont été posés. Envoyez l'équipe de déminage. On peut, on peut. Pétez ou quoi? Touchez pas les explosifs.
Qu'est-ce qui... L'ascenseur est bloqué. Merde. Urk, l'ascenseur est hors service. Alors là, mon gars, ça pue. Tu vas faire comment? À toi de me le dire. Ok, mec, reste cool. Écoute, les Japonais ont dû prévoir une autre issue, non? Trouve-la et ensuite rejoins-moi sur la barge. Please, mec. Intrusion dans la base. Je répète, il y a un intrus dans la base. Bloquez les portes et convergez vers l'entrepôt. Les explosifs ont été posés. Envoyez l'équipe de déminage. Trois coups de barre, des chances. Ça risque d'exploser. Mettez ou quoi? Bordel de merde. Qu'est-ce qui... L'ascenseur est bloqué. Merde. Urk, l'ascenseur est hors service. Alors là, mon gars, ça pue. Tu vas faire comment? À toi de me le dire. Ok, mec, reste cool. Écoute, les Japonais ont dû prévoir une autre issue, non? Trouve-la et ensuite rejoins-moi sur la barge. Peace, mec. Intrusion dans la base. Je répète, il y a un intrus dans la base. Bloquez les portes et convergez vers l'entrepôt. Des explosifs ont été posés. Envoyez l'équipe de déminage. Mais t'es mis à blanc! Attention à vos tirs! Ça risque d'exploser! Je vais nous faire tout péter! Qu'est-ce que tu
L'arsenal de Hoyt a été détruit. Ça, c'est du très grand art, mon frérot. C'est vraiment énorme ce que t'as fait. T'as même pas idée. Ah, c'est trois fois rien. Trois fois rien ? Trois fois rien ? Merde, ça doit bien faire 10 ans que tout pourrissait, que rien ne changeait du tout. Mais là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a enfin quelque chose qui se passe. Je te jure, ce que t'as fait là est incroyable. Félicitations, petit singe. Je suis fier de toi, petit singe. C'est une blague, ça. Non, mais les singes sont une espèce très évoluée. Écoute, voilà ce que tu as. Les rebelles, que j'avais droit au tatouage parce que je les avais vraiment aidés. Et c'est toi que je dois remercier pour ça. Merci, Ork. Je te préviens quand même, ça fait plutôt mal. T'inquiète pas, j'en ai vu d'autres. Ce que je voudrais, c'est... Je voudrais un dragon, je pense. Non, 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 non. Une panthère. Non, 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 non. Non, toi et moi, les frères tatoués qui tiennent une panthère. Toi qui lui fais une clé à la gorge et moi qui lui saute dessus, je la défonce. Il y a d'autres trucs qui rentrent en ligne de compte. Un de ces quatre, Ork. Et lâche un peu tes singes. Les hommes et eux, c'est pas fait pour s'entendre. Tu leur as déjà posé la question ? Parce que tu peux me croire, ils sont pas d'accord avec ça.